J'ai pas payé, bien sûr. Donc, Denizen, c'est un jeu, comme je disais, de simulateur, enfin, simulation de vie. Donc, dedans, théoriquement, vous incarnez un personnage et vous avez la possibilité d'ouvrir plusieurs commerces différents, enfin, de faire plusieurs métiers différents. Et ce qui est un peu risqué dans les jeux comme ça, je trouve, c'est que potentiellement, on s'attend à avoir énormément de choix. Et derrière, il faut qu'il y ait le dev qui aille avec, parce que si globalement on ouvre un magasin, mais que le seul truc qu'on peut faire, c'est juste ouvrir et fermer et prendre de l'argent, c'est pas forcément très intéressant. Donc, on va tester ça. Et pour commencer, il faut créer le personnage. Alors le jeu aussi, je précise, il est encore en early access, donc les développements ne sont pas terminés. Et je crois que la sortie, je vais aller voir ça. Hein, je vais aller voir ça. La sortie du jeu, c'était le 29 avril dernier. Il est sur Steam à 19,50 €. Voilà, donc il est en early access depuis ce moment-là. Et il y a quand même des évaluations positives. Hein. C'est à 73% d'évaluations positives sur Steam. Et pour l'instant, il n'y a pas de date annoncée pour la fin de l'early access. Donc on peut créer son personnage. On peut créer en fonction, j'imagine, couleur de peau ou même il y a des rides. Ok. On peut créer avec les cheveux différents. Ouais, on va mettre celui-là. Et on peut choisir des couleurs de cheveux. Oh, il est bien comme ça, là. Allez, démarrer le jeu. Démarrer le jeu. Donc quand on commence, ça j'avais déjà fait dans ma partie test, on est dans notre appartement et on a la possibilité de le meubler un petit peu. Est-ce que le jeu est en azerty? Oui, le jeu est en azerty. C'est à noter, c'est assez rare. I pour l'inventaire, ok, on peut placer des meubles. Utiliser, d'accord, on peut pas. Application annulée. I. Utiliser. Ok. On peut placer des meubles comme ça, donc au début il faut qu'on meuble plus ou moins notre appartement avec ce qu'on nous a donné. On va foutre un siège, hop, ici. Ok, on peut le tourner, c'est très bien. Donc il y a un mode, voilà, un peu gestion de l'appartement et tout. Et après on va pouvoir sortir normalement pour aller commencer à affronter la vie réelle. Hop, on va coller le mur ici. Enfin le lit, pardon. Et je crois qu'on peut changer les couleurs aussi. Ça c'est quoi ça? Body spray. L'odeur disparaît. Ah oui. Ah oui, parce qu'on doit gérer aussi l'hygiène entre guillemets du personnage. La faim, la soif, l'énergie, le compte en banque. Et 40, je crois que c'est le niveau de classe du personnage, ça je suis pas sûr. La peinture. La peinture, sélectionner le mur. Le mur, appliquer. Ah ok, donc ça peint tout le. On peut pas faire juste un pan de mur, ok. Et ensuite le sol, je crois que c'est la même chose. Appliquer. Ok, bon ça se limite, c'est quand même découpé avec la cuisine, très bien. Et je crois que c'est un peu. Ah non, on a une lampe aussi, on a une lampe. Bon, la lampe, on va la foutre à côté du lit, je pense. Voilà, là ça tient, ça ira bien. Et on a des clopes, on a des trucs à manger, très bien. Est-ce qu'on peut dormir? Meuble. Dormir. On peut dormir. L'énergie est pleine, faire une sieste. Sieste. Ok, très bien. Ah, on a des pieds. Est-ce qu'on peut mettre une robe? Ok. Et ben. Oui. Bon, peut-être qu'il y a à revoir hein, la morphologie, mais ok. Ok. Casquette. Non, pas de casquette, c'est bien des lunettes. Allez, mettons des lunettes, pantalon, on s'en fiche. Chaussures, oui, bah gardons ça. Et sortons de la maison. Ah, on peut faire des trucs. Toilette. Ah oui. Ah oui, on va aux toilettes, bien sûr. D'accord, on peut se laver. Ah oui, ils ont brouillé et tout, d'accord. Bon, déjà, ça part bien. Ils ont mis pas mal de choses dedans. À voir la partie. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la partie job, quoi. Parce que ça encore, c'est plutôt OK. Bon, on peut pas aller dans les différents appartements. Téléphone. Utilisez votre téléphone. Avec P. P comme téléphone. Touche, tu unlock, tout unlock. J'ai entendu dire que tu cherchais du travail supplémentaire. Est-ce qu'on voit bien avec la cam ou est-ce que la cam, je la mettrai pas de l'autre côté? Je pense que la cam, je vais la mettre de l'autre côté. Tac. Hop. Mettons-nous ici. Voilà. Du coup, passer chez moi à
Cutler, quand vous aurez une minute, je vous donnerai des détails. Très bien, allons à Cutler. Et on a des applis, ordre du jour, apply a job, my new home. Ok, banque. Banque, on a 24$, donc c'est ce qui est affiché là-haut. On a un historique des transactions, c'est bien parce qu'on a un historique même d'avant que le jeu commence. Et a priori, découvrir l'appartement, ça a coûté 700 balles. Emploi social. Ah, c'est genre un Tinder? Très bien. Calculatrice, météo, machine à sous. Spin. Crédit 24. Ah oui, d'accord, ça prend directement sur le compte en banque. L'internet. Short Casino, Ava, Vault, Ferrucci. Qu'est-ce que... Ferrucci, c'est les Ferrari, en fait. Fashion Factory, ok. Bon, il y a pas mal d'applis sur le téléphone. Tous les comptes bancaires, ok, bon, y a l'immobilier. Et on peut acheter des maisons, ok. Bon, ça coûte un peu cher, mais au bout d'un moment, on peut acheter de nouvelles maisons. Et ça doit être plutôt des bureaux ou de la location. Non, ça, c'est plutôt des bureaux, je pense. Ok, donc en fonction de actif. Ok, ça, c'est notre propriété. Ah, et on a une bagnole. On a un Fuji Commando. On a un Fuji Commando, d'accord. Ouais, du coup, j'imagine qu'en fonction du job qu'on choisit, enfin, si on ouvre sa boîte, j'imagine qu'on doit pouvoir prendre des bureaux pour se mettre dedans. Et nous avons l'ascenseur. Le son est un peu faible, en fait. Le son du menu était fort, mais j'ai l'impression que les effets du jeu, eux, par contre, sont plutôt bas. Alors... Sortons. Ok, et donc j'imagine que c'est ça notre véhicule. C'est tout à fait ça. Et donc là, il faut qu'on aille à Colter. Et je crois que c'est en face. Alors ça fait partie des choses qui sont pas forcément très claires. C'est quand on commence, c'est tout ce qui est objectif et tout. Je crois que c'est lui. Non, ah non, lui, c'est le magasin de meubles. Donc il faut ressortir. C'est savoir où il faut aller, etc. Ouais, on peut aussi occuper un poste de pizzaiolo dans un restaurant. Magasin de détail, Cutler, c'est ça. Utiliser le téléphone pour louer la propriété. Donc non, c'est pas ça, c'est peut-être à côté. Medical clinic. Je ne pense pas, non. On va ressortir. Mais ouais, au début, on est un peu lâché, Austin Safe House. On est un peu livré à nous-mêmes, ouais, voilà, c'est ça. Heureux de vous voir, j'ai du travail pour vous si ça vous intéresse. Ok, peut-être qu'est-ce que je peux faire, comment, voilà, machin, peut-être... Ah oui, non, ok, ça dit ce que j'ai choisi. On a beaucoup d'infos, écoutez, j'ai un peu de travail sale disponible pour un client si ça vous intéresse. Est-ce qu'on commence direct par faire des trucs illégaux? Non, je suis occupé pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire pour machin pour toi? Écoutez, un de nos clients s'est fait arnaquer par une société de distribution locale. Other Distribution est la cible. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je leur fasse? Pas de violence, notre client a demandé des données sensibles aux propriétaires corrompus. Trouve un moyen d'entrer dans leur entrepôt et accéder à l'ordinateur de bureau. D'accord. C'est dommage, avec espace, ça passe pas le dialogue suivant. Ok. Bon, en gros, c'est un boulot plus ou moins illégal, quoi. Et donc, il faut trouver l'endroit. Est-ce qu'on peut rentrer dans les voitures? Non, j'ai pas l'impression. On peut rentrer que dans notre voiture. On peut courir. Bon, le déplacement, il est... on va quand même assez vite. Ah, on peut pas sauter, par contre. Et ça, c'est... Est-ce que c'est l'arrière du truc où on doit rentrer, ça? Porte. Utiliser le téléphone pour louer la propriété. Non, ok, donc ça, c'est un entrepôt. Très bien. Et est-ce que en courant, on a notre dose de saleté, entre guillemets, qui augmente? Ou juste en passant la journée? Ça, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a ici? City Pizza. Est-ce que c'est pas là où on peut se faire embaucher pour faire des pizzas, là? Utiliser le téléphone pour postuler un emploi. D'accord, donc vraiment tout se fait par le téléphone. Emploi. Cuisinier de pizza, opérateur de chariot élévateur, barman. 10€ de l'heure, 8€, 7€. Barman, c'est bien payé. Mais après, à côté, on est à côté de la pizzeria, donc autant tester le truc. Postuler pour un travail. Demande d'emploi, candidature déposée. Ah, genre on dépose la candidature. Et ensuite, on est accepté automatiquement ou pas? Des téléphones pour postuler. Ah ok, on postule, mais on n'est pas forcément embauché. Et donc, est-ce que je peux postuler à plusieurs trucs? Postuler. Est-ce que ça me dépostule de l'autre? Non, ok. On va déposer les candidatures de partout et puis on verra. Et j'imagine que de toute façon, pour commencer, on n'aura pas le choix. Il faut aller faire le...
Le truc illégal? C'est tout à fait GTA 6, bien sûr. C'est pas du tout là que je dois aller ici, c'est barman. Oh, il y a du blackjack. Oh, bonjour. Ah, bonjour, bonjour. On peut pas parier moins de 5. Traité. 16. 16. Frapper, c'est quoi? Frapper, c'est une carte? Ou rester? Frapper. 15. Frapper. 21. Oh, on bouge plus. Ah, j'ai gagné là? D'accord. Traité. Frapper. Frapper. 24, c'est perdu. Traité. 20, rester. 18, gagner 5 dollars. 29, traité. 14, traité. Ah, j'ai... Ah non, j'ai perdu. 18, rester. 19, j'ai perdu. Traité. frapper. 21. Nouveau message reçu. J'ai gagné là ou c'est bugué? Bon, j'ai dû regagner, mais c'est un peu... C'est quoi ça par terre? Les tickets de parking. On a reçu un message. Merci pour votre candidature. Nous avons examiné vos références. Il semble que vous conveniez parfaitement au poste pour lequel vous avez postulé. Tant qu'ouvrier, nous avons hâte. Ah bah très bien. Bon, j'ai l'impression que j'ai été accepté partout, là. Commencer en tant qu'ouvrier, oui, très bien, très bien. Bah allons commencer par les pizzas. Et puis on va voir ce que ça donne. Hop là, en plus sans face. On va voir. Bah c'est ce que j'ai fait. Il y avait un message d'un truc dans le téléphone que j'ai pas lu. City Pizza. Vous commencerez en tant qu'ouvrier, nous avons hâte de... Par contre je peux pas descendre plus. Nous commencer en tant qu'ouvrier, nous avons hâte de vous récompenser par des augmentations de salaire et des promotions pour votre travail exemplaire. Veuillez... Et c'est dommage, hein. C'est dommage. On n'a pas la suite. On ne peut pas savoir. Est-ce que ça s'appelle City Pizza déjà ou est-ce que je me suis emballé pour rien? Ça s'appelle tout à fait City Pizza. Est-ce qu'il y a une entrée derrière? Est-ce qu'il y a une petite backdoor? Ou est-ce qu'il faut valider aussi sur le téléphone? Ça c'est possible ça. Ok. Après dimanche 16h, est-ce que les gens... entre deux raquettes de données, ouais. est-ce qu'il y a un truc, ordre du jour, banque, emploi, cuisiner des pizzas. Ah, car disponible, 11-16 ou 17-20. On va prendre le 17-20, je pense. Article de l'agenda ajouté. Donc dans une heure, on va pouvoir commencer à faire des pizzas. Et ça, c'est 10-14. Ah ouais, donc on peut cumuler plusieurs jobs, et ça, c'est 18-23 ou 12-17. Ah bah à la limite, je vais faire ça. Article ajouté dans l'agenda. Et ça, c'est à Post Lakeview, donc c'est en face, là. Non. C'est ça? C'est Climax Logistique? Non, ça doit pas être ça. Hitching Post? C'est Hitching Post. Lakeview. Est-ce qu'il y a une map? Ah, il y a une map. On est par là, j'imagine. Et c'est... Entreprise. Par contre, on peut pas zoomer là. Downtown, Side Retail, Clutter Retail, Travail Boutique, Divertissement, The Station, Vault, Autre, Résidence, Entreprise, Travail. Ok. Ah, donc il y a que City Pizza qui est là et les autres sont un peu loin. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour 20 minutes? Je ne pense pas. Hein. On va attendre les 20 minutes là et puis on va aller faire de la pizza, je pense. Hein. On va bien sûr garer la voiture devant notre nouveau travail. Ah, on peut pas courir à l'infini. Ok. Au niveau de la conduite, ça se passe comment? Utiliser. Oh oui. Ah oui, bah très bien. Là, on va se faire DMC direct, là. Allez. Comment on coupe la radio? Radio off. Merde, j'étais dessus. Voilà, radio off. On va mettre le son du jeu. Alors, traversons la rue, bien sûr. Hop là. Et trouvons du travail. C'est comme ça que ça marche. Hop là. Ah, l'équipe commence bientôt. Et ben, c'est parti. Alors. Bienvenue à votre premier poste en tant que pizzaïolo.
Vous commencez, passez derrière le comptoir en franchissant les portes du personnel. Porte du personnel, staff only. Hop là. Est-ce qu'il faut refermer derrière nous? Oui, on referme. Interagir. Ah non, c'est cette porte peut-être. Oui, c'est tout à fait cette porte. On referme. Alors, on prend une pâte à pizza. Donc une pâte à pizza, c'est ici. Très bien. On la met là-dessus. Ok. Ah, ça l'étale automatiquement. On met sauce barbecue, sauce spéciale. Qu'est-ce que... Il y a une recette ou quelque chose? Oh, il faut faire des... Deluxe. Ah oui, d'accord. Il faut faire la deluxe. Donc sauce spéciale. Donc ça. Ok, il faut viser avec le truc. Ensuite, mozza. La mozza, ils l'ont mis où? Ça, c'est de la feta. Bon, j'ai peur. Hein. J'ai peur. La mozza, elle est là. Ah, la mozzarella, elle est là. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Pepperoni. Pepperoni, non, poivron, jambon, bacon. Pepperoni, putain, par contre. Ah, ça va donner envie de manger des pizzas, ça. Hein. Champignons. Ça, champignons, on a vu, ça. Champignons, c'est là. Bon, c'est oignon. C'est assez simple, quoi. Ah merde, poulet. Poubelle. Est-ce qu'on peut jeter le... Est-ce qu'on peut jeter la nourriture? Est-ce qu'il y a une poubelle? Ah, échappe, ça ramène au menu... J'ai pas l'impression qu'il y ait de poubelle. C'est dommage, ça. Bon, bah on va mettre un petit supplément pizza dessus. Oignon. Oignon, ananas, bacon, hamburger. Hamburger, qu'est-ce que ça peut être, ça? Oignon. Hop. Voilà. Poivre vert. Ananas, poivre vert. Ok, bacon. Bacon, c'est là. Et hamburger. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà, ça va être une belle pizza. La pepperoni, hamburger, supplément poulet. Ok, on interagit. On met, j'imagine, à la cuisson. Ok. Et ensuite, on met dans le... On met dans la boîte et c'est parti. Et donc là, il y a tous les menus, quoi. Et là, celle qu'on a fait, c'est la Deluxe. La Deluxe, elle est là. Spécial sauce, mozza, pepperoni. Ouais, d'accord, c'est bien écrit, en plus. Et là, on récupère la pizza, on la fout là-dedans. Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et donc après, il faut faire une classique sauce spéciale. Hop, on fout la pâte. Sauce spéciale, elle est là. Mozza, hop, c'est ici. Pepperoni, on connaît. Pas tout à fait, c'est là. Champignon, c'est ça. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre des gifs qui ressemblent un peu plus quand même. Poivron vert. Hop. On met à cuire. Est-ce que derrière, on peut avoir une autre commande pour gagner du temps? Ou est-ce qu'on peut déjà étaler une autre pâte? Ah oui, ça c'est bien, ça. Hop là, allez. On récupère, on envoie, et c'est parti. Plus 44 de points d'expérience. Bon, par contre, les sound effects, on a connu mieux. Hein. On a connu mieux. Cheese, sauce spéciale mozza. Bon, alors là, ça va être rapide. Hein. Hop. C'est la cannibale de chez Domino's. Celle d'avant, là, avec les... que de la viande, là. Ok. Allez, on va refaire une autre. Pizza coup, quoi. On est... Et j'imagine que quand on arrive level 2, on a une augmentation. Enfin, ou on a une promotion. Plus 27 XP. Ok. Une deluxe, à nouveau. Ça, on connaît, ça. C'est sauce spéciale. C'est mozzarella. Pepperoni, c'est là-haut. Champignon, c'est là. Oignon, c'est là. Poivre vert, c'est ça. Bacon, hop. Et hamburger, nickel. Enfin, je deviens bon, là. Par contre, vraiment, il y a zéro sound effect. Hein. Là, j'avais mis un peu fort. J'ai peur, à mon avis, que quand on va retrouver des sound effects, ça vous pète les oreilles. Hein. Allez, pizza suivante. Une pepperoni. Hop là, sauce spéciale, mozza, pepperoni. Hop là, mozza, pepperoni. Voilà, on met les meilleures pizzas, ça. Hop là. Enfin, sauf que nous, on met du chorizo, parce que pepperoni, c'est américain, mais... Hop là. Mais sinon, le principe est le même. Allez, la suivante. 152 d'XP, on est quasiment... Ouais, on a même dépassé un peu la moitié. Cheese, sauce spéciale, mozza. Oh, bon, alors ça c'est rapide, ça. Hop là. Hop. Ça c'est la pizza de fin de mois, ça.
Allez, à la cuisson. Tac. Ou de fin de semaine quand t'as plus rien dans le frigo et que tu l'as fait toi-même. La suivante. Hop. Une pepperoni à nouveau. Sauce spéciale. Ah oui, c'est tout le temps sauce spéciale. Hein. Mozza et pepperoni. Hop. Tac. Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas enchaîner un peu plus. Après, est-ce que je gagnerai pas du temps? Je mets déjà la sauce spéciale. Et là, il va me demander une sauce barbecue et je vais être dégoûté. Pepperoni 218 d'expérience. On a bientôt fini. Maintenant, c'est une classique sauce spéciale. Ah, il me la valide pas du coup. Ingrédients déjà ajoutés. Ah, bah si, c'est bon. Et du coup, j'en fais quoi de ça? Ok, je peux prendre un autre ingrédient. À détruire, c'était clic molette. D'accord. Pepperoni. Pepperoni. Champignon, c'est ça. Poivre vert, c'est ça. Allez, à la cuisson. Bon, bah, le premier, il a eu du poulet gratuit. J'aurais pu le détruire. La pizza, bien sûr. Enfin, l'ingrédient, pas la personne. Hop là. Allez, suivant. Et on est passé level 2 sans Sound Effect. Terrible ça. Ah là, on en a des Sound Effect pourtant là. Volume musique, ça limite, je vais le baisser. Reprise du jeu. Ah ça y est, on a de nouveau du son. Ça y est. Ok. Celle-là, ça va être une pizza sonorisée. Mozza, jambon. Oh, jambon, c'est nouveau ça. Hop là, les petits dés de jambon. Du bacon. Le bacon, il est là, on connaît. Et l'ananas. Oh, cette pizza va faire parler. Hein. Hop là, très bon d'ailleurs, la pizza à l'ananas. Si on me demande. Allez, c'est cuit. Et par contre. Ah oui, ça y est, j'ai fait mes 7 pizzas. Enfin, mes 5 pizzas là, donc. Ah oui, en fait, il y a du sound effect, c'est juste qu'ils étaient désactivés. Et donc là, ça y est, je peux prendre ma fin de journée ou. Merde, non, c'est pas ça. Sur le téléphone, là, qu'est-ce que ça dit? Les horaires, c'est quoi, là? Que le cuisinier pizza, là? 17h21h, il est minuit. Je me fais avoir, là. Allez, je me casse. Combien je vais toucher, là? Si vous quittez le travail avant la fin de votre poste, vous renoncez à toute prime potentielle. Restez. Ah. La journée n'est pas finie, visiblement. Quart de travail terminé. Ah non, il était 21h. D'accord, ok, j'avais mal vu. Pizza correcte servie 8, salaire 9 € de l'heure, ça fait 36, prime 22, total des gains 58, banque 82. Nous sommes riches. Nous sommes riches. Et nous voilà à l'extérieur en pleine nuit. Est-ce qu'on n'irait pas se saouler dans le bar d'en face, bien sûr. Tabouret de bar, bonjour. Commandez une boisson, 2,05 €. Ah oui. Ah puis il l'apprécie là. Ah oui. D'accord. Allez, je suis Rebou là. Oh oui. Est-ce qu'on serait pas un petit blackjack Rebou là? Allez, traité. 5, 14, frappé, 22. Allez, 10, 15, frappé, 19, resté, 17. C'est gagné. C'est gagné, on est à 80. Allez, une petite dernière. Une petite dernière, 9, 19, resté, 17, c'est gagné. Ah, on n'est plus sous. En vrai, si je devais manger une pizza, ananas, ce serait que du poulet. Éventuellement. Éventuellement, éventuellement. Est-ce qu'on peut parler aux gens? Bonjour, bonjour. Ah, lui, il est comme ça depuis tout à l'heure, avec la même bière. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes? Des cartons dans les toilettes, mais pourquoi pas? Ah oui. Alors ça, grave erreur déjà. S'asseoir sur les toilettes dans un bar, ça, il faut pas ça. Hein. Hop là, allez, on se lave les mains et ça fait remonter un peu l'indice de propreté. Et par contre, ce qui est bizarre, c'est que. Si, peut-être que je peux. Utiliser. Ah oui, ça remonte la fin. Et ça, c'est quoi ça? Utiliser. Open. Ah, c'est un jeu à gratter. Oh, j'ai gagné un truc. Oh, bah, j'ai gagné 1 $. Super. On peut recommencer. D'accord. Ah, j'ai gagné le pire, quoi. D'accord. On a quoi d'autre là? Party Time. Party Time, c'est aussi un jeu. Ok. Oh, j'ai gagné des appareils photo, 1 $, bien sûr. Ah oui, ça, c'est pas recommencer, c'est juste afficher les gains des clopes. Utiliser? Ah, le body spray, là, ça. Visiblement, le body spray, ça nettoie. On est en max de propreté, là. Oh, il y a un petit chat. On peut rien faire. Est-ce qu'on peut s'accroupir? Non. Donc, c'est bon à savoir, le déodorant, finalement, et eh ben ça nettoie.
Et est-ce qu'on n'irait pas se coucher tout simplement? Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas courir très longtemps, on va prendre la voiture plutôt pour rentrer à la maison. Utiliser. Ah, est-ce que ça va passer ça? Oui, ça passe. Hop là, allez, rentrons à la maison. Ah, c'est embouti la voiture de. Ah, il y a des dégâts de choc quand même. Très bien. Allez, Park West, rentrons à la maison. Je crois qu'on habite ici, 104. Non, on n'habite pas ici, 103 non plus. Je sais plus où on habite, moi, 101. 102, à un moment donné, il y en a un qui va sortir, il va nous casser la gueule. Hein. Ah non, il faut prendre l'ascenseur. Oui, c'est vrai, il faut prendre l'ascenseur. Il faut qu'on boive de l'eau, je pense. Bouton d'ascenseur, très bien, j'ai appuyé. J'avais pas vu, les Italiens vont me détester, la meilleure pizza c'est la savoyarde ou la raclette. Meilleure, je sais pas, mais c'est vrai que ça rend. Ah oui, j'avais pas fermé, tiens. Ouais, ça, c'est vrai que ça réconforte en hiver. Hein. Allez, on va se laver les mains. Non, y a pas besoin. Il faut qu'on boive là pour ça, là, je pense. Est-ce qu'on peut boire de l'eau ici? Ah oui, on boit de l'eau là. On boit de l'eau, on boit de l'eau. Ok, très bien. Et puis on va se coucher, j'imagine. Hein. Dormir, prendre, dormir. Dormir. Dormir jusqu'à 5h jeudi. Ok, très bien. Reprenons, nouvelle journée. Paf. On va aller voir un peu les autres trucs qu'il y a à faire aussi. Là. On apprécie hein, les déplacements d'ascenseur. Hop là. Ah oui, porte. Alors, on reste embouti dans la voiture, très bien. Fusil commando utilisé. Hop. Ah, il y a un camion d'une banque là. Est-ce qu'on peut pas le. On peut pas le cambrioler là. Regardons la map. Non, c'est M. Non, c'est pas M. Ah oui, c'est point virgule. Enfin, c'est virgule. On s'éloigne. Non, nous, c'est plutôt là-haut qu'on veut aller. Ok. Donc, c'est tout droit. Et à droite dès qu'on peut, quoi. Ok, donc c'est plutôt par là-bas. Et voyons ce qu'il y a dans cette petite ville. Je peux pas aller trop loin, là. Mais il n'y a pas de. Ah non, mais c'est derrière. Si, ça peut y aller aussi. Bon, on va essayer. On va essayer voir ce que ça donne. Et là, les phares, genre, on peut. Non, est-ce qu'on peut klaxonner? Non, j'ai pas l'impression. Il y a des boutons qui font des trucs, non. Ok. Une station-service. Est-ce qu'il y a de l'essence? Ah oui, il y a de l'essence. D'accord, on a consommé un tiers du plein en gros. Très bien. On en est où là sur le trajet? Oh putain, il y a des arbres. Une mini-map, ça serait pas mal aussi. Hein. Prochaine à droite. J'ai peut-être pas choisi le trajet le plus simple hein, pour aller où on veut aller. Ça, c'est une route, ça? Ah oui, d'accord, oui, c'est chemin de terre en fait. D'accord, et eh ben allons par ici. Hein. Et puis, du coup, on a un peu de mal hein. Quand même. Le chemin de terre à 50 km/h. On est où là? À gauche? Derrière à gauche? Ouais, derrière à gauche. On va aller voir le Climax Logistics là. Et alors qu'on a faim. Ok. On va où là? On va à droite plutôt. Et on retrouve la route. On retrouve la route et on tombe sur Climax Logistics. Notre deuxième emploi. Sauf que quelque chose me dit. La Fuji Commando, elle aura bien bouffé. Est-ce qu'on est hors des horaires d'ouverture? Utilise le téléphone pour sélectionner l'équipe. Ah oui. Emploi. 2-7 ou 10-14. Oh bah je vais prendre le 2-7 vite fait là. Hop là. Passe à l'heure du travail. 6-46, c'est quasiment encore l'heure du travail là. Ça me le met dans l'agenda du coup?
Argent immobilier, hein, quel météo, paramètres, j'ai pas d'agenda. Actif, utilitaire, social, internet. Ah, c'est sur l'internet l'agenda? Non. Ordre du jour, c'est ça? My new home. Ok. Ça c'est. Ça peut être. Ouais. Ok, je peux pas désactiver. Actif. J. Utilitaire. Parkwest. Qu'est-ce que c'est? Facture quotidienne de service public. Électricité. Ah oui, il y a des factures d'eau et d'électricité, d'accord. Et ça se paye tout seul ou. Si je vais à la banque là. Utility bills. D'accord, donc ça se paye tout seul. Là, c'est ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, le salaire. Ok. Solde total 78 balles. Très bien. Et il fait 31 degrés. Hein. 31 degrés. Et là, je pense qu'avant 10h, 14h, on pourra rien faire. Tant pis. Reprenons la belle voiture et allons. C'est quoi W d'ailleurs? Ah, on est remis sur la route. D'accord. On est remis, mais un peu loin. Ouais, donc j'imagine c'est si jamais on se retourne un peu. On continue là. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Easy. Radio off. Ouais, non, je sais. On continue la route tout droit et normalement on va tomber sur Itching Post. Ça m'a l'air d'être un bon plan. Et il faut toujours qu'on mange et qu'on aille aux toilettes bientôt. On en est où là? Toujours tout droit. Toujours tout droit, c'est un peu loin. Et à l'époque, j'avais voulu tester un peu la démo parce qu'il était sorti, je crois, il y a genre 3-4 mois en démo. Et sauf qu'il y avait bah, toutes ces zones-là, elles n'étaient pas accessibles, hein, c'était tout bloqué. Donc il y a quand même eu du taf qui a été fait depuis la démo, donc ça c'est bien. Hop là, à droite, ici. Mais pour l'instant, ça reste quand même assez soft, je dirais, comme contenu. Hop, on est The Itching Post. C'est ici, c'est ici le bar là. Un bar bizarre pour un bar. Peut rentrer? Non, j'ai pas l'impression. Je dis 8h. S'il n'y a pas d'entrée. Ah, ici, il y a une entrée. Utilise le téléphone pour sélectionner ton équipe. Très bien. Alors, emploi. Barman. Ouais, c'est bien là. Hein. 12-17. Ou 18-23. Bon, il y a à peu près rien qui nous va là. Hein. Et pizza, c'était quoi? 11-16 ou 17-20? Ah ouais, non, bon, on va aller retourner livrer des trucs, je pense là. Il y a quoi d'autre sur la map sinon? Entreprise, inside retail, boutique, urbain intérieur, divertissement, short casino. Alors, utiliser. Il faut qu'on parte, qu'on fasse genre marche arrière et gauche, quoi. Hop là, on va aller dépenser notre solde au casino. La bonne route là. Ouais. Et droite au bout de la rue. Est-ce qu'on peut couper à travers champs? On va essayer. Ça a l'air faisable. Ok. Et là on doit être sur la bonne route là. On est tout à fait sur la bonne route. On va essayer de prendre des petits raccourcis bien sûr. Hop. Ouais. Ça tangue un peu mais en même temps c'est normal. On roule dans la pampa. Ok. Il y a le pont de. C'est quoi? C'est le Golden Gate? Celui de San Francisco? Toujours tout droit. Toujours tout droit. C'est pas du tout. Ça ressemble pas du tout au Golden Gate. Juste un pont. Et là, on arrive dans une autre partie de la ville, d'accord. Là, c'est quoi? Là, c'est un vendeur de bagnoles, je dirais. Ok. Et ça va être bientôt sur la droite, le casino. Mais à mon avis, il va être ouvert que de nuit, non? Jones Casino. Ouais. Oh, nous on est. Hop là. On se met sur la livraison. Hop là, on veut dépenser nos sous. Ok, c'est ouvert toute la journée, c'est parfait. Alors on a quoi? On a de la machine à sous. On a des gens au milieu. Très bien.
Est-ce qu'on a, je sais pas, du poker, du blackjack Bonjour. Bonjour, on peut pas parler. Ok. On a des portes. Et on peut pas aller à l'étage. On peut jouer aux machines à sous. On peut jouer aux machines à sous. Paris, 1$. Ah oui, on est dans la musique, là. Bon. Allez. Allez, 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 allez. Est-ce qu'il y a d'autres jeux? On va monter. On va monter. Oh, là-bas, il y a des tables, là. Là-bas, il y a des tables. Blackjack, ok. Bon, c'est pareil que l'autre. Ici, on a... Oh, de la course de chevaux. Alors, est-ce qu'on parie sur le vieux whisky? Et sur Calgary, là, je pense que c'est bien, ça. Comment on lance? Ah, next race in 10 secondes, d'accord. Et on va mettre 5 balles sur full auto. Parce qu'il a l'air quand même sympa, comme... Ok, on comprend rien, bien sûr. On a le rose, hein, le rose qui se démarque, le rose qui va gagner. Non, c'est le bleu. Ah non, il y a 3 tours, d'accord. Le bleu, c'est qui? On ne sait pas. On aurait peut-être pu le voir au début. Et c'est le bleu qui gagne. Et il y a encore un tour, bien sûr. Donc le bleu n'a pas encore gagné. C'est le jaune. Le jaune rattrape. Et c'est le jaune qui gagne. Win 3, seconde. On ne comprend rien. C'est Full Auto qui a gagné. Eh ben nickel, ça. Par contre, on ne sait pas combien on a gagné. La première place, c'est du 3 contre 1. Donc on a multiplié par 3. Ok. Oh, je vais remettre sur Full Auto, là. Hop là. Et ensuite, Calgary a fini dernier, donc on avait misé sur lui, et le vieux whisky, là, il a fini quatrième. Est-ce qu'on parierait pas à la place sur Vanderlust, là? Vanderlust. On peut parier plus? Ah oui, on peut parier plus, mais on n'a pas envie de le faire, ça. Knockout. Allez, on va faire Knockout et Vanderlust. Et on va voir ce que ça donne. Et là, je suis dégoûté si c'est Full Auto qui gagne tout le temps. Après, Joline ma... Si c'est Full Auto qui gagne, Joline ma prochaine... ma prochaine course dessus. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti. Pour l'instant, c'est le rose qui est en tête. Le rose, on ne sait pas qui c'est, malheureusement. Le Full Auto, je crois que c'était le jaune, non? Oh, lui, il galope. Hop là, oui, bah là c'est gagné je pense. Ah, quoique le rose n'est pas loin, il est à l'intérieur, l'autre il doit faire des grands virages. Ah oui, non mais là... Là on sait pas qui c'est, mais c'est qui a gagné? C'est Knockout. Oh bah c'est Knockout. On avait mis de l'argent dessus je crois, 81. Et Full Auto en deuxième, putain Full Auto il est bon hein. Full Auto est bon, bon très bien, les courses de chevaux. Et on a le bet 0, ah oui on peut voir une fois qu'on a bet, ah oui si on voit ici... On voit le bleu, c'est Tax Even, ok, d'accord. Ici, on a quoi? Du poker, mais c'est en cours de développement, visiblement. Dommage. Ici, on a des portes... Oh, des portes peut-être pas fermées. Ok, non, ça doit être pour redescendre à l'étage en dessous. On a de nouveau du poker. Et je pense qu'on doit avoir du blackjack. Bonjour, on ne peut pas parler aux gens. Ah, on ne peut... Ah, si, on peut jouer au blackjack. Ah, par contre, cette fois, on peut parier des 20 dollars. Allez, c'est parti, 10... Oh, 20, on reste. 19, oh yes. On a gagné, on rejoue pas. Très bien, est-ce que... Je vais quand même aller voir les portes là-bas. Là. On va voir ce que ça donne. On peut... Ouais, non, on peut toujours pas sauter. Et là, on a soif, là. On a soif. On a bientôt besoin de se laver et de manger aussi. Et là, on redescend à l'étage. Allez, une petite machine à sous, là. Un balle. Hop. Allez. C'est perdu. Donc, globalement, on a quand même gagné. Est-ce qu'on peut boire des coups, ici? Bonjour. Il faut s'asseoir. Commander une boisson. 2,50. Et par contre, ça augmente pas le... Ça augmente pas le truc, là, quoi. Donc, c'est vraiment juste... Juste se bourrer la gueule, quoi. Est-ce que je peux être encore plus bourré? Ouais, je suis pas sûr. Pas l'impression que ça change grand-chose non plus au déplacement. Très bien, ressortons. Est-ce que je peux conduire en étant bourré? Ça, c'est une vraie question, ça. Ah oui, la voiture toujours aussi bien garée. Utiliser. Et là, il est midi.
Je suis sûr qu'on peut trouver un emploi ouvert là. Alors, emploi. 10, 14, est-ce que je tente celui-là? Ou sinon. 12, 17. Oh non, je vais tenter celui-là. Là. Le bar, là, le bar dans un truc qui ressemble plus à une église qu'à un bar, ça peut être pas mal. Et là, je pars à gauche. Je crois que c'était là, non? Entreprise. Travail. Ouais, c'est ce truc-là. Là. Allez, et on va essayer de couper à travers champ. Et de toute façon, après, on a le W pour nous remettre à l'endroit si besoin. Hop là, nickel. Tout s'est bien passé, tout s'est bien passé. On est où à peu près là? On est ouais un petit peu plus à droite et ça devrait être bon. Ok. Ah, est-ce qu'on peut aller dans l'eau? On... Ah, c'est pas prévu visiblement d'aller dans l'eau. Recommençons du coup. On peut rouler sur la voie piétonne. Tout à fait rouler sur la voie piétonne. Je vous y encourage d'ailleurs. Dans le jeu, hein, dans le jeu. Et tout droit jusqu'au bout. Tout droit jusqu'au bout. Moi j'ai envie de recouper à travers champ quand même là. Bon promis, s'il y a de la flotte, par contre j'arrêterai, mais oula, oula. Aïe. Est-ce qu'on peut casser la voiture au bout d'un moment? Voilà, elle a l'air déjà bien amochée. Hein. Quoique c'est peut-être Ouais, on sait pas, on sait pas. On peut monter la côte là. Oula. Ah, bloqué. W. W, W, on en est où là? C'est pas rapproché. Hein. Bon bah je vais être obligé d'y aller par la route, hein, tant pis. Ouais, pour l'instant, je pense que c'est prometteur comme jeu. Mais ça manque encore de contenu. Hein. De ce que j'en vois, c'est... En gros, on peut faire pas mal de choses, mais toutes les choses qu'on peut faire, bah, c'était un peu à craindre. Ça reste quand même assez basique. Et au vu de ce que pense être, enfin de ce que pourrait être le jeu, à savoir simulation de vie, tout ça, je pense que c'est optimiste de vouloir faire un jeu comme ça pour en gros 20 balles. Parce que si réellement tu veux faire un jeu intéressant, je pense que ça nécessite quand même pas mal de dev. Et je suis pas sûr que tu puisses faire ça avec un jeu à 20€. Ok, donc on est au bar. On va tester un peu le gameplay barman. Est-ce qu'il faut prendre son service? Ok, on a pris le service. Comment ça marche? Oula. Bonjour. Sombre. Bonjour. Qu'est-ce que j'ai des indications ou... Ah, dark. C'est ça? Ok. D'accord. Bon, ça a l'air plus simple que les pizzas. Est-ce que ça s'arrête tout seul? Ça s'arrête tout seul, très bien. Ok. Alors par contre, on voit que dalle. Hop là. Ok, bonjour monsieur. Un épicéa. Un épicéa, très bien. Épicéa, épicéa. Ça doit être ça. Un épicéa, c'est un sapin. Ok. Hop là. Et voilà monsieur. Bonjour, chérie, très bien. Chérie, ça doit être Oni. C'est dommage que ça verse pas pendant que... Enfin, que ça continue pas à verser quand on lâche. Hop. Voilà. Hop là, voilà monsieur. Pour vous madame, blanche. Très bien. Une petite bière. Ça doit être ça. Ça doit tout à fait être ça. Et est-ce que le timer qui arrive à zéro, c'est le temps pour prendre la commande ou c'est pour la servir? On ne sait pas. Ça doit être pour prendre la commande... C'est vous, monsieur, ensuite, sombre. Ouais, ça pourrait être pas mal d'activer le truc et de le laisser activer, enfin de pouvoir ensuite passer une autre commande plutôt que de rester appuyé. Même si dans la vie, c'est vrai qu'il faut rester appuyé sur le machin. Je dirais vous, sombre. Ah, lui est parti. Ok, donc là, c'est plus un gameplay, on va dire, vitesse que varié, on va dire. Ah, et si je prends genre plusieurs commandes, fruité et rouge. Rouge, ça doit être ça. Et fruité, c'est tout à droite, très bien. Hop, donc ça c'est rouge. Donc c'est pour vous. Hop. Et fruité.
Ok, très bien. Hop là. Épicéa. Épicéa, épicéa, on a dit que c'était ça. Ah oui, puis de toute façon, ils te le mettent en surbrillance. Hop là. Et si je lui sers pas plein, il est content quand même. Ok, rouge. Rouge, très bien. Merde, non, c'est pas ici, c'est ici. Bon, après, ça se fait assez bien de poser les verres, c'est pas trop galère. On aurait pu apprécier une petite mise en évidence de l'endroit où on le pose. Mais bon, après, ça, c'est du détail fruité. Fruity. Ok. Hop. Voilà. Chéri. Chéri. René. Ouais, ça doit être ça. C'est tout à fait ça. Oui, en même temps, il suffit de mettre la souris dessus. Ok. Bon, là, normalement, j'ai servi les 10, là. Je fais des heures sup, là. Rouge. Rouge, ici. Mais après, de ce que je vois, ça paye quand même assez bien. À voir combien coûtent les voitures et compagnie. Fruiter ou monter une entreprise, etc. Et ce que je suis curieux de voir aussi, c'est quel type d'entreprise on peut monter. Ah oui, par contre, là, mon perso, il est pas bien. Épicéa, très bien. Il a besoin de boire, de manger et d'aller aux toilettes. Et est-ce qu'au bout d'un moment, ça le met mal? Nous allons voir ça tout de suite. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, incessamment sous peu. 08. Ah ok, donc là, je vois le timing en haut du temps qui me reste. Ok. J'ai pas pris de commande. Orange. Blanche. Très bien. Oh, bah, j'avais mis au bon endroit. Hop là. Allez, une de plus. Ensuite, c'était vous. Fruité. Ouais, je sais pas si c'est les mêmes commerces qu'on peut ouvrir ou si on peut ouvrir d'autres trucs. Ça, par contre, je sais pas. Parce que peut-être que c'est là le... tout l'intérêt du jeu. Oné, on a dit. Oui, on voit bien le nom en tout le type qui apparaît quand on met la souris dessus. Hop. Ensuite. J'ai pas vu, c'est quoi ? Au nez aussi. Hop. Voilà. Et normalement, 38 secondes et on aura fini. Hop. Ah, lui, il est parti. Lui. Blanche. Et voilà, 30 secondes. Est-ce qu'on va temporiser jusqu'à la fin ? Non, on s'en refait quelques-unes, sombres. J'imagine que ça fait plus de sous si on en fait beaucoup. On a fait le double de ce qu'on devait faire, on en a fait 20 sur 10. Donc j'imagine que derrière il y aura une prime en fonction. Hop, 8T, très bien. Et ensuite il restera plus que le truc de logistique. On va voir ce que ça vaut. Hop. Vous, ombre. Tac, dark. Il y aura moins de 15 secondes, on devrait faire encore 2-3 clients et puis ça sera terminé. Ah, on a la vision qui se trouble un petit peu, j'ai l'impression qu'on n'est pas bien. Épicéa, hop là. Non, épicéa, c'est à côté. Hop, allez, 5. Hop, épicéa, 4, 3, 2. Ah non, c'est pas des vraies secondes. Rouge. Allez, ah bah non, on n'a pas le temps de faire la dernière commande, c'est la fin de service. Et combien on touche ? Ça nous met qu'on a 252, donc on a dû toucher 150 à peu près. J'imagine. Est-ce qu'on peut le voir sur le téléphone ? Banque. On a touché 157. Ok, donc ouais, c'est assez intéressant. Et le dernier job, ça là. Ça, c'est du 10-14 ou du 2-7. Donc il n'y a aucun quart qu'on peut prendre. On va rentrer à la maison. Hop. Par contre, c'est un peu loin la maison, hein. C'est plus ou moins à gauche. Donc c'est là-bas. Ok, donc le bar, c'est ce qui paye le plus, mais c'est aussi pour l'instant le plus loin de la maison. La pizza, je dirais que c'est ça où il y a le plus de variété, parce que... Après, on n'a pas vu encore le truc de chariot, mais j'imagine qu'il n'y a pas des masses de variété dans le gameplay. On va où, là ?
Là, on va plus ou moins là-bas, quoi. Est-ce qu'il y a une route, là? Ah bah c'est la bonne route, en plus. Hop là. Là. On continue plus ou moins tout droit, et normalement, on tombe sur la maison. Donc, ouais. À voir. Je pense que de toute façon, je vais surveiller un peu ce que devient ce jeu. Mais je sais pas à quel point. En fait, je sais pas s'ils ont mis le focus en gros sur la création d'entreprise. Ou c'est autant le focus sur la création d'entreprise que sur les petits jobs au début. Parce que là, globalement, on fait des petits boulots à droite à gauche. Au bout d'un moment, on peut acheter une nouvelle voiture, acheter aussi une nouvelle maison. Changer de vêtements, tout ça, c'est très bien. Mais. Oula. Très, très mauvaise idée, ce qu'on a fait, là, je pense. Mais j'ai envie de dire quoi d'autre, quoi. Hop. Tac. Ok. Et la maison, elle est là-bas, si je dis pas de bêtises. Bon, bien sûr, au bout d'un moment, on va s'embrouiller avec les voisins à force de rentrer dans leur voiture. Mais tranquille, hein, tranquille. S'il faut, on se battra, bien sûr. Manger. Ah oui, mais d'ailleurs, j'ai rien à manger, en fait. Faut que je me lave aussi. On va boire un coup. On va se laver. On va aller aux toilettes. Peut-être pas dans ce sens-là. Et puis, on va chercher un truc à manger. Toujours pas fermer la porte, bien sûr. Est-ce qu'on a des trucs dans le frigo? Ah oui! On a des sushis dans le frigo. Très bien. Le glisser-déposer fonctionne. Ça, c'est très très bien, ça. Allez, l'eau qui coule pendant qu'on boit. Ça, c'est pas écologique, ça, par contre. Allez, on reboit un coup. Voilà, on est au max. Et on va manger. Utiliser. Ok. Toilette. Toilette, voilà, très bien. Ensuite, se laver. Hop. Voilà. Remanger un truc, et puis... et voir... remanger un truc. Hop. Manger. Bon, ça a l'air super bon, ça. Je sais pas ce que c'est. De l'entrée surgelée de l'Oriental Chicken. Objet non consommable. Ah oui! Il doit falloir le mettre dans le... Oh oui, ça c'est bien fait, ça. Oh oui, bah ça on apprécie, ça. Et c'est genre infini, ou... Ok, donc il faut attendre que ce soit terminé. Hop là, micro-ondes, donne. Et on a une belle entrée surgelée qu'on peut manger, et ça nous met full. Est-ce qu'on peut cuisiner des choses? J'ai pas l'impression qu'on puisse interagir. On peut allumer, éteindre la lumière. Pour être bien, ok, il y a des placards dans lesquels on peut ranger des trucs. Est-ce que les placards sont partagés? Ok, tous les placards sont partagés. Ok. Les placards en bas, non. Ici, non. Ici. Ok, c'est tous les mêmes placards, très bien. De là, on voit l'extérieur. On peut s'asseoir. Voilà, on peut s'asseoir si jamais on veut se détendre un petit peu. On va fermer la porte pour une fois. Et on va ressortir. On va ressortir. Le truc là. Ça là. C'est quoi? C'est 10-14 ou 2-7? Ah oui, donc là, le prochain. Si, bah à la limite, on va essayer de voir le 2-7. Je vais remonter, faire une petite sieste et me réveiller vers 1h du mat. Et on ira tester le chariot élévateur là. Enfin, le job de chariot élévateur. Hop. Est-ce qu'on peut dormir jusqu'à 2h? 1h? Dormir. Faisons ça. Ok, il est 1h, on va pouvoir aller hop, on va pouvoir aller ici. Hop, on redescend. Et ensuite, il faut aller entreprise, travail, climax logistique. Donc c'est tout au nord. On va reprendre la voiture. Hop, toujours aussi bien garé, bien sûr. Utilise. Avoir une petite boussole, ça pourrait être bien aussi. Le nord, c'est à gauche. Le nord, c'est à gauche. Est-ce qu'on peut passer par là? Oula. Ouais, non, ça, c'était pas une bonne idée. Oula. Oh, pardon. Faites attention aux piétons pour éviter les amendes. Ah, on peut avoir des amendes aussi. Genre, il y a des flics? Attention, hein. Je fais un test pour la science.
Est-ce que banque, ETBs, investissement, bon, je... Bon, j'ai pas l'impression. Ah, et on a un petit taux de rentabilité sur nos comptes en banque. Ok. Gauche. C'est ici qu'on pouvait remonter? Non, c'est après. Ah, c'est ici. C'est ici où on peut remonter la bonne direction. Ouais, tout à fait. Allez, allons livrer des colis. Ça ouvre dans 10 minutes. C'est là. C'est pas là. C'est pas là, c'est à gauche. Oh putain. Oh, je me suis embarqué dans un truc là. Ah, c'est pas vraiment là qu'on voulait aller là. Allez, W. Oh non! Arrêtez avec cette radio là. Hop, la radio off. Ok. On est de nouveau chez nous. Et c'est... Non, c'est à l'opposé. Tout à fait à l'opposé. Merde, putain. Bah, la maniabilité, elle est pas folle non plus. Mais en vrai, ça va. Enfin... Je pense que c'est pas là-dessus qu'il faut se... Oh, putain. Non, mais c'est pas le bon endroit, là. Fait chier. Poussez-vous! Poussez-vous! Oui, poussez-vous! Pardon, madame. Est-ce que c'est ici? Non, c'est pas ici, c'est le suivant. Je crois que c'est le suivant. Ouais, c'est le suivant. Allez, on recommence, et cette fois... Cette fois, c'est gauche. Donc c'est... C'est genre... genre là, quoi. Là, et puis on remonte. Et on arrive à Climax Logistics. Tout à fait. On reste voie de droite. Et c'est tout droit, plus ou moins. Oui, une petite ferme. Petite ferme avec des chevaux, ok. Donc peut-être quelque chose aussi qu'on peut... enfin, un type d'entreprise qu'on peut contrôler, peut-être. Gauche, ok. Bon, on est sur la bonne voie, là. En fait, l'impression que j'ai, c'est que, en effet, ils ont voulu mettre plein de choses pour donner envie de jouer au jeu. Mais qu'en soi, il n'y a rien qui est... Il n'y a rien qui est fini, entre guillemets. Enfin, fini. Si, en vrai, je pense que le pizzaiolo, il est fini, mais... Mais du coup, enfin, t'aurais... Je pense que sur ce genre de jeu, si tu veux vraiment que ce soit intéressant... Bon, après, je sais pas, parce que de toute façon, tu vas pas non plus développer un kebab restaurant simulator à l'intérieur même du jeu. Mais est-ce que réellement, ça peut trouver sa cible, sachant que c'est en solo d'avoir plein de métiers différents mais qui restent assez simplistes, c'est une vraie question que je me pose. Peut-être que ça peut être intéressant si t'as un mode multijoueur ou un mode en ligne. Sélectionner l'équipe. Emploi. On est en 2-7 là. Hop là. Allez, très bien, on va pouvoir aller travailler. Ok. J'imagine qu'il faut aller ici. Ah, petite traduction pas terminée. Et donc on va prendre des. Ok. Utiliser. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut amener une caisse noire ici. D'accord. Comment on... J'imagine que c'est ça. Oula. Est-ce qu'il y a contrôle? Alors, souris, sprint, inventaire, frein à main, tourner à droite, diriger, accélérer, lampe torche, chariot élévateur, haut. Ok. D'accord. Donc, faut utiliser les touches directionnelles, très bien. Bon, après, c'est assez intuitif. Hop là. Et là, je baisse. Et je relâche. Et ça valide. Ok. Et donc, ensuite, il faut orange. Et rouge. Ok. Alors, pour le coup... si je peux comparer un jeu auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps, c'était le Beer Factory Simulator, là. Qui, pour le coup, était plus un Transpalette Simulator, mais mal fait. Ça, là, c'est mieux fait que ce qu'il y avait dans le jeu en question. Alors que c'est qu'une partie du jeu, donc... Donc bon, ça, c'est plutôt un bon point. L'utilisation du transpalette est assez simple. Ça ne me l'a pas validé.
Hop, et là ça me l'a validé, c'est bon. Ok, il faut en faire 5 a priori pour valider. Le prochain c'est le violet qui est là. Le violet de Twitch. Ok. Donc ça, ouais, non, j'avoue que les 3 boulots, bon, c'est assez simpliste. Mais ça se comprend assez vite, c'est assez simple. Ça permet de varier. Et en plus, si jamais au début tu veux enchaîner les... Enfin, plusieurs à la fois pour... Ah, ils ont prévu le truc, si tu montes trop la caisse, tu peux pas la sortir. Ça, c'est bien aussi. Si tu veux varier un peu le gameplay, tu peux. Voilà, même si le gameplay, il est rapidement limité. Mais au moins, ça change un peu. Et avec les différents cartes, je pense que... Je pense qu'on peut... On peut enchaîner les trucs. Ah, et est-ce que je peux prendre... Merde. Est-ce que je peux... Putain, le truc est bloqué. Bon, la vue, des fois, elle est un peu gênante. Ok. La question, c'est est-ce que je peux prendre ceux qui sont en hauteur? J'imagine que oui. Et que ça rajoute un peu de difficulté. Tout à fait. Ah. On n'a pas pris. Hop là. Allez, on va poser le bleu. Allez, on peut baisser pendant qu'on roule, ça c'est cool. Hop là, normalement ça devrait me le valider. Et voilà, ça fait 5 sur 5. Bon bah la journée est validée, là, on va dire. Hein. Par contre, il faut terminer... Il faut faire tous les autres pour... Enfin, on peut faire les autres en bonus. Et de toute façon, il nous reste 2 minutes. Pas vous mentir que c'est un peu long quand même. C'est sympa une fois ou deux, quoi, mais on a pas envie de faire toute la journée dessus, là. Restez. On peut visiter l'entreprise en attendant. Ok, ici on a des bureaux vides. D'accord. Un effet un peu flou à travers la vitre. On peut boire ici. Ah, on peut pas se laver les mains ni boire. Les frigos sont vides. Le micro-ondes n'est pas vide. Ah ok, donc on pourrait amener sa bouffe surgelée. On peut fouiller les poubelles. Bon, j'ai pas l'impression. On peut amener sa bouffe surgelée dans les poches et la mettre dans le micro-ondes. Les portes sont verrouillées. Ah, pas celle-là. Faut se laver les mains, bien sûr. Par contre, on ne peut pas boire. Allez, petit passage aux toilettes. Et on gagne de l'expérience. Et j'imagine qu'au plus on gagne de l'expérience sur un boulot, au plus on, entre guillemets, on monte en grade. Et au plus on est payé à la fin. Et ici, c'est fermé. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs... Ah oui. On peut faire qu'on peut lever des transpalettes. Ah oui. Ah. Je crois qu'ils l'ont pas mappé jusqu'au bout le truc. Attendez. Je vais bien le prendre sur le côté là. Hop. Ah putain, on peut pas. On peut pas. Putain, comment j'avais réussi? C'est juste que j'avais foncé dedans. Maintenant que j'avais chopé un pixel qui permettait de le lever. Ah, et ben j'ai eu de la chance. Ah non, là ça marche là. Ok. Très bien. Allez, on va essayer avec le troisième, voir ce que ça fait. Hop, utiliser. Hop. Et là normalement. Hop. Le monter au max, très bien. Et si on avance, on ne peut pas avancer. D'accord, c'est intéressant. Utiliser. On peut partir. Ah. On peut pas partir. Ah, là, ça me l'a débloqué. Ah oui, ça m'a fait un peu le ménage, là. D'accord. Allez, on va s'en faire un petit dernier pour la route, là. Un violet, un gris, un rose. Allez, le gris, il est là. Peut-être noir, ça? Non, oui, non, c'est ça, je pense. Je pense que c'est ça. Hop là. Allez, on va se le poser, ça va nous faire notre petit 6 sur 5, là. La petite prime. Ah, quoique, c'est peut-être celui d'à côté. Ah, mais il va nous faire chier, l'autre, là. On est obligé de le bouger, ce transpalette, là. Hop là. Allez, pousse-toi.
Trouver ici. Hop. Et voilà, juste. Ah. Bon, ça nous l'a validé. On vous a mis le transpalette avec, hein, vous inquiétez pas. Et donc là, on peut se casser. On a gagné 43$. Ouais, pour se faire de l'argent, le mieux du coup, c'est vraiment le. Enfin, de toute façon, on avait vu, hein, le taux horaire était le plus élevé. C'est vraiment le bar. Hop. Mais après, à voir, peut-être que les autres boulots, quand on monte en grade, ils sont mieux payés. Qu'est-ce qu'on a ici? Par contre, ouais, le trajet est long. Station-service. C'est vrai que bientôt, on n'aura plus d'essence. Est-ce que je contourne? Non, je vais prendre droite. Droite et je redescends vers la ville. 7h du mat, 300$ en poche. C'est là, je crois. C'est tout à fait là. C'est tout à fait là. Paf, comme ça. Ah non, pas dans le mur. Enfin, dans l'arbre. Allez, 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 allez. Allez, voilà. Et on redescend à gauche. Tout à fait ici. Il y a une pompe à essence sur la route. Ouais, donc intéressant. C'est pas du tout là qu'il faut aller. Hein. Intéressant, mais je pense que pour l'instant ça manque de contenu. Et je suis pas sûr que avec le prix auquel est vendu le jeu. Je suis pas sûr qu'au prix auquel est vendu le jeu, on puisse avoir un jour le contenu suffisant. Je sais pas. Après, il y a des bonnes. Il y a des bonnes. Il est bien noté sur Steam, donc si jamais il y a eu des ventes intéressantes, pourquoi pas. Peut-être que le nombre de ventes peut permettre de financer les développements dont il y a besoin. Mais ouais, j'étais un peu sceptique sur le principe du jeu. Parce qu'en fait, au tout début, je pensais que c'était juste un jeu où. On peut faire le plein comme ça. Putain, 78 balles le plein. En fait, je pensais que c'était un jeu où juste on créait son entreprise. Et qu'il y avait. Et qu'il y avait genre, je sais pas, une entreprise de bagnole ou des trucs comme ça. Et puis que derrière, il y avait le côté où bah, tu nettoies ton entreprise, tu l'ouvres. Alors il y a sûrement ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Et que du coup, ça fait quand même énormément de choses. Pas énormément de choses à dev, hein, tout simplement. Donc, bah, s'ils y arrivent, tant mieux. Parce que ça peut être un très bon jeu. Mais, comme vous l'aurez compris, j'ai des doutes. J'ai des doutes au vu. Bon, écoutez, on est bien garé là, au vu du prix du jeu. Mais bon, pour l'instant, c'est de l'early access. C'est aussi à ça que ça sert. En général, les early access, c'est justement eh ben, pour commencer à vendre le jeu et financer ben, les futurs développements. Donc, on verra ce que ça donne, mais je pense que pour cette découverte, on va s'arrêter là. Je ne peux pas sauvegarder la partie, d'accord. Et ben, ne sauvegardons pas, ne sauvegardons pas. Et puis, voilà, pour ceux qui voient ça sur YouTube, c'est la fin de la vidéo. Des bisous.